Salut tout le monde et bienvenue dans le 11e épisode de Fab The Lost Chapters, côté méchant, je suis en compagnie de Thibaut. Salut Thibaut. Salut Gilbert. Non, on est méchant. On est méchant? Ouais, on est méchant. Ouais, on est méchant, j'ai une grosse épée et je ne me souviens plus. Quoi? Ah oui. Alors, donc, oui, ça fait 6 mois qu'on n'en a pas fait. Donc, du coup. On doit sauver l'archéologue. On doit sauver l'archéologue. Bon, bah, on va prendre ça. Faut pas de backle parce que c'est le débouché, hein. Je vous m'excuserai, les gens. Eh, hey, tu peux bouger! Voilà, merci. Toc, je vais quand même voir. Alors, break the siege. J'avais pris une autre mission. Nos protections. Solo mission. Et kill leader. Et voilà. Oui, c'est bon, esquive. Donc. Ah, je sais plus si j'avais pris mon XP. Comment je fais pour. Ah oui, c'est comme ça. Je sais plus si j'avais pris mon XP, enfin mes niveaux, tout ça, la dernière fois. Normalement, ouais. J'ai checké. D'accord. Ah oui, tu as eu cette réponse 20 secondes après. Non, même pas forcément, donc ça va. C'est... Wow, le temps de me remettre les contrôles dans les mains, ça va prendre un certain moment. Poc. Pas plus qu'à moi. C'est un peu ça. Je vais quand même vérifier si j'ai pris l'expérience. Oui, du coup, c'est la première fois que je suis en train de réaliser que en fait, je joue sur ce nouvel... Enfin, sur mon nouvel ordi que je joue à Fable, même si on est en février et que je l'ai eu en septembre. Parce qu'on fait tellement souvent du Fable que... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je sais pas ce que tu fais, mais c'est dégueulasse. Ah, pardon. C'est vrai que j'oubliais que j'avais un micro. Infernal Vress. Bon, bah, écoute... 20 000 XP. Merci, Thibaut. C'était très sale. Le mec qui s'est étouffé avec son propre euro, tu sais. Je suis malade. En train de réaliser. Alors, inventaire, les items, les popos de mana. Ah, c'est dégueulasse! Les popos, les sciences, les potions. C'est exactement ça. Alors, c'est par où l'archéologiste? Ah, bah, du coup, oui, effectivement, c'est à Bowerstone. Je vais quand même me TP parce que j'ai pas envie d'y aller à pattes. Faut pas déconner non plus. Bowerstone. Ah, j'étais en train de me demander si c'était un roi étouffé ou une moto qui passait dans le fond chez toi, mais c'était la moto qui passait dans le fond c'est chez toi. C'est une moto qui passe dans le fond. Putain, ce micro est vraiment bien. Tape dans le fond. Ça, la moto qui est dans le fond, là. Tu crois que je peux tuer des gardes à Bowerstone Nord? Oui. Avec la magie? Bah non. Mais je te le conseille pas. Bah non, si je pouvais utiliser la magie, je suis magicien, tu crois bien que j'aurais déjà décimé la population. Non, j'avais essayé justement de tuer des mecs à Bowerstone Nord, et c'est super dur. Salut! Eh ben, j'aurai... Je peux pas skipper les cinématiques. Ah bah si, bah voilà. Alors, bon bah, il faut que je défonce tout le monde, c'est pas très très compliqué. Bonsoir! Sauf que mon gros problème, c'est que je ne peux pas manier mon épée. Si jamais je tombe en rate de magie. Je te dis. Alors faut que tu fasses quoi? Faut juste que t'aides les gardes? J'avais oublié. Ouais, non, en fait, faut que... Oui, si, c'est ça. C'est l'idée. Ouais. Ta gueule, ah, toi. On a des nouveaux ennemis, c'est ça? Ceux-là, ah, c'est la première fois qu'on les voit, les mignons? Il me semble. Non, tu te fous de ma gueule. Ah non, c'est bon, j'ai réussi à le ramasser. Eh, hey, y'a un coffre. Mais je suis jamais venu ici, ou quoi? Ah bah ok, je suis jamais venu. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper une arme que je peux manier. Parce que quand même, faut pas déconner. Pourquoi tu peux pas... Bah parce que les... Elle est trop lourde. Ouais, elle est trop lourde pour l'instant, donc, je vais équiper ça. Hein. C'est le moins pire, on va dire. Bon bah ok. Si jamais je tombe en rate de mana, parce que ça peut arriver vite. Et de toute façon, enfin c'est juste, mais de toute façon, sur le principe, je tape pas très fort, donc ça ne me sert à rien. Déjà que mon arme fait pas de dégâts, alors si en plus je tape pas fort. Ouais, j'ai ramassé un tatouage de shérif. Une moustache de shérif, pardon. Wow, tu te calmes, c'est mon coffre, ok?
Shérif. Oh, c'est pitié. Regarde les dégâts avant que... Regarde les dégâts que je fais. Ouais, bah, faudrait qu'il y ait un combat déjà chez moi. 550. Pouah ouais, c'est un peu ça. Je 60. Le tape une fois 60, 550. Deux fois 60, une fois... Oh, un arc long d'ébène. Alors, un arc long d'ébène, est-ce que je peux... Ébène, dis donc. Ah bah non, ok, d'accord. Ça me sert à rien, en fait, j'ai le... Le... L'arc de maître. Putain, j'ai l'arc de maître, c'est complètement pété comme truc. Bonsoir. Bah, en même temps, le mec qui a fait la reine et... Bientôt, il aura fait le roi, quoi. C'était nul à chier, ça, Thibaut, tu t'en rends compte? Je sais, et d'accord. J'aime beaucoup. Non, mais c'est surtout... J'ai peut-être pas forcément ramassé tant d'or que ça, j'ai surtout ramassé de l'apex... De manière complètement... Complètement cheatée, d'ailleurs. What? Putain, il m'a... Ah oh là là, il m'a KS, cet enculé. Il me l'a tué sous le nez, s'il te plaît. La vieille chienne. Mais non, si je parle plus, des fois, c'est juste que je me mouche. Oui, bah, on t'a entendu, en fait. Tu t'étais pas mute sur ce coup-là. Si? Non. T'es mute? Bah non, je t'ai entendu. Là, tu m'entends? Oui. C'est vrai? Bah oui. Mais je suis mute. What? C'est quoi? J'ai un bouton de mute sur mon micro. Normalement, t'es... Ah, non. À moins que tu m'entendes avec mon ordi. Depuis tout à l'heure. J'en ai aucune idée, ça c'est à toi de me dire. Hein. Faut voir ce qui détecte le... Périphérique par défaut. C'est peut-être pour ça que j'ai entendu la moto tout à l'heure. Peut-être. Voilà, là quand je me mute... Ah bah oui, effectivement, le son il est déjà carrément mieux. Ah bah tu le dis pas aussi, non. Ah bah j'en sais moi, c'est pas moi qui gère tes micros. Tu fallait me le dire que je parlais dans les chiottes. Ah bah j'ai pas forcément fait gaffe en fait. Non, ah je ne me dépêcherai pas d'aller sauver l'archéologue. D'abord, je pille tout. Parce que je suis un connard. T'as regardé l'heure à laquelle on avait commencé? Alors vois-tu, mais alors pas du tout. Bon, 20h16, on va dire que j'ai commencé à... Bon, de toute façon, on finit la quête, hein. Oui, de toute façon, on finit cette quête. Rocket Kekette, pardon. Vous m'emmerdez, les gars. Est-ce que je peux les tuer? Non, héros statut, quête... Si tu tues tes potes, est-ce que ça te fait pas chier ta quête? La quête, je dois secourir l'archéologue. L'objectif actuel, ok. Bon, bah la réponse est non. Voilà, voilà. Ça, ils m'emmerdent non plus. Par contre, là, je t'entends plus. Je sais pas si tu parles ou quoi, mais... Non, c'est juste que je parle pas. D'accord. Ping. Pong. Non, ça va, c'est acceptable. Ping. Pong. Mais oui, allez, c'est bon, claque-moi un golem de terre sur la gueule, et si tu veux que je te dise, je vais le défoncer, puis c'est tout. Tu vas lui violer son petit cul, t'arrives, tu... Allez. Ah merde, allez, il était pas sensible. Ah bah voilà. LOL, je vais le taper au marteau, juste pour le LOL. Ouais, non, ça va me saouler, en fait. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu peux pas l'attaquer à la magie? Bah si, c'était juste pour le LOL. Mais en fait non, parce que je lui ai mis sa pâtée à la magie, parce qu'à la magie je tape 12 fois plus vite. Presque 13 fois plus vite. Tu lui fais que 375, hein. Aux minions, tu leur faisais 550. C'est vrai. Mignon, je leur fais. C'est nul, c'est minable. Bah, je me demande en fait sur un jeu comme ça, comment. Tu crois que dans les stats des persos, t'as des résistances et des trucs comme ça qui sont incrémentés Je dirais que oui, que c'est fortement possible. Ouais. Mais non, vous me suivez pas, vous mourrez, puis c'est tout. tu meurs. C'est ça. Là là là. Alors par contre, j'avais vu un garde là-bas. Attends, c'était par où? Bonsoir les filles. Par là la pizza.
Voilà. Je sais pas ce qu'il fout là, mais il est mort. Il avait qu'à pas être là. Salut. Hey, salut, t'es mon copain. Non. Je ne suis pas d'accord. Ah oui, sauver le marchand. Ah oui, sauver le marchand, c'est la quête où il y a une grosse mêlée à la fin. C'est super marrant. J'espère que je vais avoir c'est ça. Mal... Ah bah voilà, bah c'est la fin. Enfin, c'est la fin. Une grosse mêlée. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ça ne va pas être du tout. Sauf qu'avec le lag, on doit pas être du tout synchro. Ah bah si, puisque ça enregistre, le son est enregistré en même bug chez moi. Donc, donc je pense qu'on va être synchro. Regarde, j'ai 5 minutes pour défoncer tout le monde. Sauf que je m'en bats les couilles. Salut Ray, regarde les petits points rouges sur la carte. Tu vas te marrer. Oh merde, y'a personne. En fait, tu t'entends pas de la nouille. Bah, et concrètement, oui. Tiens, moi j'ouvre le coffre, parce que je les emmerde. Mec, trop badass. La la la, la 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 la. C'est bon, ils sont tous là. C'est bon, ils sont tous là. Ah, mais j'ai pas... Ah. Alors attends, j'ai oublié. Voilà. J'ai oublié de vivre... Merci Thibaut. Voilà, je savais bien que j'avais oublié un truc. Force push. Bon, c'est bon, ils sont tous affectés. Par contre, ce qu'on va faire, c'est ça. Ça, comme ça. La la la, la 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 la. Alors attends, tu veux voir un truc marrant? C'est bon, ils sont là? Ils sont là? C'est parti. La la la. C'est parti mon kiki. Allons-y les amis. Bon, j'attends qu'ils se réunissent un peu encore tous autour de moi. Bonsoir, c'est ici la pizza. Allez, c'est parti. C'est ça. Bon, tu leur as violé leur petit cul. Bah même pas en fait, c'est justement pour ça que j'ai d'abord maxé Enflame avant Colère Infernale. C'est parce que, en fait, sur la totalité... Colère Infernale fait moins mal et consomme plus de mana que Inflame en fait. Si tu fais le ratio, très clairement Inflame, et en plus Inflame ça fait beaucoup plus mal, beaucoup plus vite. Ok. Bon bah voilà, j'ai réussi la quête, c'était nul. Putain. Sans déconner quoi. Et je sens que moi je vais lutter mais... Je pense comme effectivement qu'on va commencer à avoir beaucoup beaucoup d'écart dans les épisodes. Parce que toi, un truc que je fais en 10 minutes, tu le fais en 25. 1000. Putain, j'arrête pas de trouver des potions de résurrection, faut que je les vende. Bon, le mec il a pas arrêté de siffler dans mes oreilles, ça veut dire que j'ai beaucoup beaucoup de quêtes. Tadadam. Hey, attends. Vous recevez une nouvelle quête. Je récupère un peu d'expérience de... On récupère un peu d'expérience de magie encore. De manière complètement abusive. Oula. C'est obsé. La 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 la. Vous m'entendez peut-être bourriner ma souris comme un enculé. Oui. Ça c'est vrai, ça s'entend. Comme un gros bon enculé. Bon allez, je m'arrête à 15. Ah. Mais qu'est-ce qu'il dit là l'enculé? Qu'est-ce qu'il dit là l'enculé? Bon bah j'ai vu que bon, je t'avais laissé la lumière chez toi, alors je suis allé l'éteindre. Qu'est-ce qu'il dit là l'enculé? Il paraît que vous en aviez marre des références à Reflet d'Acide, donc on change. Bon. Qui c'est qui a dit ça? Je sais pas, souvent dans le chat je vois des... Quand on fait un live, stop les références Reflet d'Acide. Oh mais c'est des gens qui savent pas profiter de... De ce qui est Reflet d'Acide, on va aller faire une deuxième petite quête. Je vais d'abord aller chercher des popos. Donc pour la peine, maintenant ça va être les 2 minutes du peuple. Ça vous apprendra. Ça vous apprendra, bande de gougnafiers. Oh wait, c'est encore une référence à Reflet d'Acide ça. Oh wait, mais ma vie est Reflet d'Acide. Lol. Bon bah je me casse. Je suis allé lui acheter des popos. Non. Là. On va faire cette quête, elle est pas très longue non plus, et comme ça au moins ce sera fait. Comme ta... Ouais, arrête-toi, ouais.
Non, comme ça au moins je te mets encore une quête dans la face. On aurait dû faire une course pour celui qui finissait le jeu le plus vite. Ouais, bah c'est toi qui vas gagner, hein. Méchant et magicien. En fait, on a mal négocié, on aurait dû faire gentil, magicien et méchant guerrier. Bah, pas forcément. Pour que ce soit plus équilibré. Ah si, parce que magicien c'est plus facile et méchant c'est plus facile. Ah oui, bon certes, vu comme ça. Alors, donc cette quête, en gros, il y a un siège à Knotalglade et on doit briser le siège. Donc là, j'ai accepté de faire la quête tout seul, sans prendre de dégâts et de tuer le chef. Just saying. Large. En gros, c'est comme si Vercingétorix disait « Ouais, bah, je vais aller buter César, tout seul, sans armée. Ah, allez. » Sauf que je suis pas Vercingétorix. Je suis beaucoup plus badass que Vercingétorix. T'es Verge Saint-G... Verge Saint... G. Chlorix. Pardon. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, vaut mieux que tu t'excuses, ouais. C'est bon? Bah voilà, j'ai fini la quête. Déjà? mais qu'est-ce que... Il s'est rien passé? Bah non. Y'a rien eu? C'est une quête gratos. Tu l'as juste... C'est une quête gratos, j'ai gagné 10 000 d'or gratuitement. Ah ouais, je les ai défoncés, quoi, les mecs, très concrètement... Comment c'est pas perdu? Oh, je les ai éclatés, quoi. Comment c'est... moi je vais pas pouvoir le faire, quoi? Bah si, très clairement, il y a 5 bandits. Ah ouais? Bah ouais, il y a... en fait elle est nulle à chier cette quête. Ah putain, ouais. C'est abusé. En fait c'est parce que le... Toi le 100 dégâts c'est facile. Oui, moi le 100 dégâts c'est facile, c'est... c'est ça qui est bien. Bah c'est pour ça toi, mais je crois que je te l'avais dit déjà de maxer ton bouclier aussi parce que... Parce que, ouais. Parce que du coup, ça te fait de l'or gratuitement. Alors... C'est gratuit. Bah du coup, je vais prendre ça, hein, je veux dire... Ça. C'est vraiment toi. Ça se sent. Dans ça se sent quand c'est toi qui a pété. Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit, Soko? Oh, je vais pouvoir prendre des sorts. Encore un peu. Toujours plus de sorts. Ah, je pourrais pas... Oh, fuck you, je pourrais pas le prendre, le... Bon, bah tant pis. Le bouclier niveau 4. Il te faut combien? Il me faut... Ah, oui, en fait, c'est pas qu'il me faut beaucoup. Ah non, faut être gentil. Faut être gentil, surtout. Bon bah je vais commencer à prendre de la santé. Non, pas de la santé, enfin du physique. Comment ça, du physique? Oui. Car je suis une salope. Merde, je crois que... Ah la salope, elle avait ton recul mal propre. Thibaut, il s'ennuie un peu, je crois. Mais pas du trou. Mais pas du trou. Marc du trou. Alors, je vais prendre les... Bon bah, toujours pareil, hein, 100 dégâts. Je dois protéger les bandits. Oh allez, ça se tente, moi je dis. Et alors celui-là, pas de protection, bah 100 dégâts, toujours pareil. Et... Ah ça c'est dur ça quand même. Je vais pas le prendre. Alors les disturbances dans Darkwood, les... Dérangement dans Darkwood, en gros, c'est un flux pour la suite de l'histoire, donc je vais pas trop spoiler, mais en gros, il y a une amie de la guilde qui doit faire une incantation pendant qu'on se fait attaquer par des beaucoup de gens, et il faut pas qu'elle soit blessée. C'est assez tendu pour pas qu'elle soit blessée, parce que justement, ils arrivent de partout, et c'est dur, du coup, forcément. Puisque je le dis. Alors... C'est très dur. Du coup, je crois qu'on n'aura pas le temps pour une autre quête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écumer les villes à la recherche de Popo. Ouais, parce que ça... Ben, je sais pas du tout depuis combien de temps on record. Ouais, ça fait un quart d'heure à peu près. C'est tout? Ouais. Non, on fait tellement de choses quand c'est toi qui joues. Bah, on démoralise. Ouais. Bon, allez, ouvrez-vous les magasins, là. Fuck you, bitch. Ah, mais attends, bah, j'ai une maison, moi, ici. Ah non, je l'ai pas acheté. Ah, bah je vais l'acheter. Salut, je joue au Monopoly. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Arrêtez-vous sur la case. Je vais commencer à décimer des villages, moi.
Le mec il se fait tellement chier. Très clairement. T'as déjà cassé Ogval, hein. Ah bon? Il me semble. C'est vrai? Comment avoir un lit gratuitement? Acheter une maison. C'est un peu ça. Oh non, fuck you, putain. Savez-vous planter des choux? Comment? Alors, pourquoi j'ai dormi deux fois? Simplement parce que bah, quand j'ai dormi la première fois, ça a atterri la nuit, donc aucune chance que le magasin soit ouvert. Mais aucune. Mais alors, aucune, aucune, aucune. Mais aucune! Voilà. C'est à toi que j'achète des trucs? Je suis en train d'hésiter, là. Ah oui, c'est à toi. Ah, t'as pas de potion! Sérieux? Il a pas le popo, le sissi, le popo, sion. Bon bah je vais essayer de lui vendre des trucs. Bah non, pas des potions, je suis débile. Oh, son père, comment il essaye de m'arnaquer. Ouais, ça je peux le vendre. Ouais, ça non. Alors les potions, les cadeaux, les produits. Non, les produits c'est de la bouffe. Les non. Pro-produits. Je vais voir un peu si je peux aller vendre des armes en face. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Comment je te déteste. Tu l'auras dans la tête toute la soirée maintenant. De rien. Oui. Bon bah je vends. Je vais te chier dans la bouche. Y'a pas de petit profit. Chainmail leggings. Qu'est-ce que je porte moi? Mon dark suit de volonté. Dark suits. Suits. Bon bah je me fais des sous, hein, je dis. Just bon, saying. Bah, fait. Pardon? Hein? T'as dit quoi comme connerie encore? C'était à quel sujet? T'es un débile. Alors, tac, Steel Great Mess. What? Ah, alors celui-là, tu peux bien aller te brosser pour que je te le vende. Hein. Tu ferais ça gratuitement? Thibaut. Ouais? Non, rien. Ok. Hop, pardon. Je me suis trompé. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis du porn? J'ai dégainé mon arc alors que je ne devais pas. Ah c'est bon, tu te calmes, je m'en vais. J'ai trouvé des popos. Des popos, des popos, des popos. Qui a volé? Oh ah. Mon dieu, c'était sale ça. Ouais, bah on voit que c'est pas de ta gorge que ça a essayé de s'enfuir. Hein. Ça aussi, c'était sale. Bonsoir. Oula, 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 tu te calmes. C'est ici la pizza? C'est ça. Ah! Putain, j'adore en fait, parce que la magie, quand tu utilises de la j'adore magie... J'adore! Regarde dedans, c'est en fait, quand il y a la magie... Hey, mais je peux acheter cette maison aussi. Hey, mais je... Il te reste combien de sous? 22 458. Oh, quel enculé! Viens ici, je veux t'acheter des trucs! Qu'est-ce qu'il y a, l'enculé? Qu'est-ce qu'il y a, l'enculé? Oh, son père. Qu'est-ce que je peux te vendre, mon grand? Wow. Regarde le prix du rubis. Ça me fait beaucoup rire. Bah, t'y es pas encore. Rubis, 404. le prix n'a pas été trouvé. Le prix n'a pas été trouvé. Alors que ça en vaut 600 quand même, hein. Il se fout de ta gueule! Bah ouais, c'est pour ça que je l'envoie chier. Ah, tiens, je vais aller à Borrowfields. À Borrowfield? Le mec qui traverse tout Albion pour trouver des potions de malade, c'est. À Barrowfess! Dans. On peut pas créer des potions dans ce jeu. Hein. Non, on peut pas. Forcément les acheter. On peut pas crafter, ouais, c'est vrai. En même temps, je trouve qu'il est déjà pas mal complet. Ouais, ouais. Je sais pas si dans les suivants on peut ou pas. Je sais pas. Il y a moyen que dans le 3 tu puisses faire des trucs, mais de là à crafter. Mais putain, mais les mecs, mais revenez. Mais de là à crafter, je saurais pas dire. Moi je crafte sur les gens. Tu craftes sur les gens, ta sœur. Ah bah voilà.
Ah bah voilà. Ah mais non, c'est moi ce que je peux lui vendre, je suis un débile. Je me suis dit, ouais, il a plein de potions. Ah non, c'est les miennes en fait. Tiens, je te donne toutes ces potions. What? Maintenant, je peux te les racheter? Je crois qu'il y a un marchand, il y a un marchand où tu peux faire ça un certain nombre de fois. Tu lui achètes un truc et en fait, tu lui vends plus cher. Ah oui, je vois le genre. Ah, je peux pas utiliser de sort. Bitch. Ils sont où les magasins à Bowerstone? Bowerstone Nord. Ouais, non, à Bowerstone Nord, il y a un magasin, mais à Bowerstone Sud aussi. Il y a un forgeron. C'est vrai? Bah, ouais. Non? Je sais pas. Mais c'est possible! Mais c'est possible! Bon, bah, du coup, on va faire Bowerstone Nord, on va voir ce qu'il a, et puis on va se dire à la prochaine. Salut! Non, non plus. Hop, hop. Bon, ok. Bah, c'était pas ça du tout. Ah, est-ce que je peux te vendre des potions de résurrection? Oui, je vais t'en vendre quelques-unes. C'est pas comme si j'en avais besoin. C'est pas de Thibaut. Ah, la chienne. Son père, il a fait le prix. Bon, eh ben, on va... Ah, si, c'est vrai. On va aller à la guilde et on va se dire à la prochaine. Du coup, essayons de faire des trucs un peu plus intéressants parce que là, c'était rapide. Pas vraiment de challenge. J'ai perdu Thibaut? Non, bah boucher. Ah, ah bah là t'étais mute, effectivement. Ouais, bah oui, parce que forcément, quand je suis sur le bon micro, hein? Nécessairement. Bon, bah on se dit à la prochaine, pour en se quittant sur cette magnifique image d'un mec avec des mouches qui lui tournent autour de la gueule. Ça doit être chiant quand même, hein, même si t'es méchant sur le principe. Des mouches qui tournent autour de ta gueule? Oui. Tu les vois pas? Hein, la qualité est peut-être dégueulasse en fait sur. Ah, j'aperçois un truc. Ouais. Bon, allez, tout le monde. Ciao, à la prochaine. Bisous dans le cou.